Pierre. Mais ce n'est pas le cas de tous les chiots, puisqu'il y en a qui partent et qui ne viennent pas du tout avec nous. Donc à ce moment-là, on dira que ce sont des chiens indépendants et nous ne les prenons pas. Zum Beispiel, ihr kommt an den Test, als der Klingenhund vor 7 Wochen wird von seiner Nase, von der Mutter, von der Mama weggeholt, an der Frau, die er nicht kennt. Und die muss erst dann noch kommen, den Menschen. Der Hund muss den Menschen besuchen. Aber der Hund nicht bei uns kommt, dann wird er nicht kommen, dann ist er nicht in sich. Mettons en famille d'accueil. Donc la famille d'accueil, c'est une personne qui est complètement bénévole et donc qui garde le chiot de 2 mois à 18 mois. Là, on va demander à Christine d'apporter son témoignage, pourquoi elle a été famille d'accueil et qu'est-ce que lui apporte le chien. Die Hunde kommen dann an Familien am Alter von 8 Wochen und die bleiben da bis 18 Monate. Und wir fragen Lord Christine, dass diese kleine témoignage gibt, für was das hat famille d'accueil als. Bonjour à tous. Oui, c'était pour. Donc, en tant que famille d'accueil, pour moi, c'est la première fois. On a reçu l'étape à l'âge de 2 mois, donc au mois de septembre dernier. Et c'est vraiment une super aventure, dans le sens où. Bon, c'est vrai qu'il faut déjà être sensibilisé à la cause donc, des personnes handicapées. Et c'est vrai que nous, c'est un peu pour ça qu'on s'est lancé dans l'aventure. Déjà, nous étions très.